Corriger des TD sur la calorimétrie Nous allons commencer par un rappel de cours sur la méthode des mélanges. Supposons un système fermé, au repos, qui n'échange que de la chaleur avec le milieu extérieur. Ce système fermé contient trois corps, un corps 1, un, un corps 2, un corps 3. Chacun de ces corps est susceptible d'échanger de la chaleur avec les deux autres. Appelons Q, la chaleur qui va rentrer dans le système, Q-, la chaleur qui peut sortir du système, et puis Q1, Q2, Q3, les chaleurs échangées par les corps 1, 2 et 3. Cela peut bien sûr se généraliser à plus de corps, 5, 6, autant que vous en voulez. L'équation fondamentale de la calorimétrie est en fait une équation bilan sur l'énergie thermique. Elle dit l'énergie qui va rentrer dans le système fermé moins l'énergie qui va sortir du système fermé est égale à la somme des énergies qui sont échangées à l'intérieur du système fermé. Cela donne Q plus moins Q moins est égale à la somme de K égale 1 à N des Q indices K. N étant le nombre de corps que j'ai à l'intérieur de mon système fermé. C'est une équation très puissante qui va nous permettre de résoudre pratiquement la totalité des exercices de, ces, de cette feuille de TD de, de calorimétrie. Entamons par le premier exercice sur la détermination de la chaleur massique d'un liquide, en l'occurrence du mercure. Dans un vase en laiton, de masse ml égale 200 g, on verse 480 g d'eau. La température initiale du calorimètre et de l'eau est de T1 est égale à 15 degrés Celsius. On introduit ensuite 500 g de mercure à 100 degrés Celsius, donc plus chaud que la température initiale des deux autres corps. Et on constate que la température d'équilibre est de 17,7 degrés Celsius. Question Calculer la chaleur massique du mercure. Alors, pour bien vous convaincre qu'on est exactement dans la situation de la méthode des mélanges, je l'ai reprise ici. Il s'agit donc d'un système fermé. Dans le système, on va trouver le calorimètre en laiton, le vase en laiton qui sert, qui sert de calorimètre. On va trouver l'eau qu'il y avait initialement dedans et on va trouver le mercure. À l'état initial, au début de l'expérience, les deux sont déjà à l'intérieur du système et ils vont échanger de la chaleur les uns avec les autres. On va appeler Q, la chaleur qui va rentrer, et Q-, la chaleur qui va sortir. On ne nous dit rien dans l'exercice sur Q, et Q-. J'en déduis que le calorimètre doit être un calorimètre adiabatique. Il n'y aura aucun échange de chaleur, ni dans un sens, ni dans l'autre. Q, et Q- seront égaux à zéro. Donc on a trois corps à l'intérieur de notre système le laiton, l'eau et le mercure. Cela peut se symboliser de, la, de cette manière-là. À l'état initial, trois corps du mercure à température Tm. Du laiton et de l'eau à température T1, 15 degrés Celsius. Ensuite, la, les, les échanges thermiques vont se passer à l'intérieur du calorimètre avec Q et Q- qui sont égaux à 0. Aucune énergie ne va rentrer, aucune énergie ne va sortir du calorimètre. L'état final, les trois corps se retrouvent bien sûr à l'intérieur du calorimètre le laiton, l'eau et le mercure. Et tout le monde est à la température T2 de 17,7 degrés Celsius. Pour résoudre ce genre d'exercice, il faut une méthodologie et ne pas en changer, avoir une méthodologie propre et ne pas en changer pour pouvoir travailler de manière sereine et éviter les erreurs de calcul qui sont très nombreuses en calorimétrie. C'est dommage parce que la discipline est quand même relativement simple. Pour éviter les erreurs de calcul, je vous propose la méthodologie suivante. Chaque fois, vous ferez un tableau avec à l'intérieur toutes les caractéristiques physiques de tous les corps qu'on va trouver dans le calorimètre. Donc les caractéristiques physiques qui nous intéressent sont la masse du corps, la chaleur massique du corps, la température initiale et la température finale. Les trois corps qui sont dans le calorimètre, le laiton, numéro 1, l'eau, numéro 2, le mercure, numéro 3. Donc la première chose à faire, c'est de remplir ce tableau au maximum que l'on peut. Bien sûr, il y a des inconnus. Ici, on nous a demandé de calculer la chaleur massique du mercure et on ne nous l'a pas donné. Donc euh, là, évidemment, la case sur le, la chaleur massique du mercure, vous ne pourrez pas la remplir. Mais au moins, ça, ce tableau va synthétiser l'ensemble des informations que vous avez sur cet exercice. Faites cette méthodologie, appliquez cette méthodologie pour euh, travailler de manière plus sûre et éviter au maximum les erreurs de calcul. Une fois que ce tableau sera rempli, vous calculerez Q1, Q2 et Q3, les chaleurs échangées par le corps 1, le corps 2 et le corps 3. Ce sont des chaleurs sensibles, c'est les chaleurs qui dépendent de la température. Donc elles sont toutes égales à la masse que multiplie la chaleur massique que multiplie la température finale moins la température initiale. Donc M fois C fois Tf moins Ti. Et vous pouvez calculer comme ça Q1, Q2. Pour Q3, il y a bien sûr un cas particulier, vous n'avez pas CM, et donc il faudra simplement exprimer Q3 en fonction de CM. Alors, la calorimétrie est une discipline dans laquelle je vous engage, au contraire de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, à calculer dès que vous pouvez et à manipuler le moins possible d'équations. Donc Q1, on peut le calculer, on le calcule numériquement. Q2, vous pouvez aussi, vous le calculez numériquement avant de le mettre dans l'équation fondamentale de la calorimétrie, qui va vous donner Q1 plus Q2 plus Q3 est égal à Q plus moins Q-C'est-à-dire moins, 0. Donc la somme des trois fera 0, et de là vous en tirerez Cm, la capacité calorifique du mercure. Voilà, c'est à, à vous de jouer. Prenez le temps de le faire de manière propre, de sorte à, à, à rendre votre méthode la plus sûre possible. Il ne faut pas se tromper dans ces calculs-là, c'est vraiment trop stupide. Corrigé de ce premier exercice, j'ai rempli le tableau avec toutes les grandeurs qui étaient à ma disposition. Évidemment, donc il manque la chaleur massique ou capacité calorifique. Chaleur massique et capacité calorifique sont deux fois, capacité calorifique massique, bien sûr, sont deux fois le, le, la même chose. Et donc j'ai mis hein, des points d'interrogation parce que je ne les connais pas. Partant de là, Q1, j'ai pu le calculer, 226,8 joules. C'est la masse du laiton que multiplie la capacité du laiton que multiplie T2-T1, température finale, moins température initiale. Q2, même chose, mais c'est pour l'eau, la masse de l'eau, capacité calorifique de l'eau, que multiplie, ou chaleur massique de l'eau, que multiplie T2-T1, et ça fait 5417,3 joules. Q3, Q3 ne peut, pas, ne peut pas se calculer. Non, on ne peut pas aller jusqu'au bout du calcul puisqu'il nous manque Cm. Mais néanmoins, on simplifie au maximum le calcul. Tout ce qu'on peut calculer, on le calcule. Moins 41,15 fois Cm. Ça va nous simplifier l'application de, de l'équation la, de fondamentale de la calorimétrie. Q1 plus Q2 plus Q3 égale 0. La somme de mes trois résultats est égale, est égale à 0. J'en tire Cm, c'est de... C'est de l'arithmétique très simple, et vous allez trouver que Cm, la capacité calorifique du mercure, est égale à 137 joules par kilogramme et par Kelvin. Donc cette méthode-là permet de, de stabiliser et de sécuriser votre calcul. Ce n'est qu'après qu'on peut regarder, on peut essayer de discuter les signes. Q1 et Q2 sont positifs. Pourquoi ben Ils voient leur température augmenter de 15 à 17,7. Donc c'est normal, ils emmagasinent de la chaleur. Ce sont des chaleurs qui sont positives. Q3 par contre est négatif, c'est normal. Parce qu'en fait, le mercure va lui perdre de la chaleur. Sa température initiale est de 100 degrés Celsius, il va se retrouver à 17,7. De 100 à 17,7, il aura perdu de la chaleur. Il en a perdu combien Eh bien, moins 41,15 fois CM, la capacité calorifique ou chaleur massique du mercure. Donc après, vous pouvez expertiser un peu les signes et regarder si vous si vous êtes pas trompé, hein, etc. Mais ne jouez pas avec les signes, faites toujours, appliquer toujours la masse que multiplie la chaleur massique, que multiplie la température finale, moins la température initiale. Si, si la chaleur doit être positive, elle le sera grâce à la différence des températures. Si elle doit être négative, également, grâce à la différence des températures. Ce n'est pas à vous de décider le signe, c'est aux températures de le décider, en quelque sorte. On remarque... Pour finaliser cet exercice, on remarque que la, la chaleur massique du mercure est particulièrement faible, 137 joules par kilogramme et par Kelvin, c'est une petite grandeur. Ce qui fait que quand on a mis un demi-kilogramme de mercure à 100 degrés dans de l'eau et, et du laiton qui était à 15 degrés, la température n'est montée qu'à 17,7 degrés Celsius. Parce que la chaleur massique du mercure est faible, même s'il était à haute température, et bien la chaleur emmagasinée est particulièrement faible donc la chaleur massique c'est exactement ça et c'est la chaleur qui est emmagasinée pour chaque degré pour chaque degré par kilogramme et donc 137, 137 joules par kilogramme et par kelvin est une grandeur qui est, qui est faible on y reviendra ce deuxième exercice consiste à déterminer la capacité calorifique d'un calorimètre donc, on prend un calorimètre qui contient une masse ML égale 250 g d'eau. La température de l'ensemble, donc l'eau plus le calorimètre, est de T1 égale 18 degrés Celsius. On ajoute une deuxième masse d'eau, maintenant de masse M2 égale 300 g d'eau, et qui est à 80 degrés Celsius. Lorsque l'équilibre thermique est atteint, donc lorsque les mélanges se sont faits, on mesure une température d'équilibre TF est égale à 50 degrés Celsius. Déterminer la capacité calorifique C du calorimètre et des accessoires. Donc, un exemple aussi, encore une fois, de la méthode des mélanges, bien sûr. Avec un état initial, le calorimètre est ce que j'ai appelé l'eau 1, c'est-à-dire la, la masse M1. L'eau 1 à température Ti est égale à 18 degrés Celsius, avec l'eau 2 qui est égale à, dont la température est de 80 degrés Celsius. Un état final avec le calorimètre, l'O1, l'O2, le tout à température Tf égale 50 degrés Celsius. Et un échange de chaleur. Le calorimètre est considéré comme adiabatique, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on me dise le contraire. Et donc Q plus et Q- moins sont égaux tous les deux à 0. Une fois, une fois qu'on a compris ça, c'est exactement le même cas que le cas précédent. Donc c'est à vous de jouer. Un tableau, où vous allez rassembler toutes les caractéristiques des corps. Qui sont, qui, qui sont concernés par cet échange d'énergie, l'eau 1, l'eau 2 et le calorimètre. J'ai rassemblé les deux cellules masse et chaleur massique, puisqu'en fait pour ce calorimètre, on ne distingue pas la masse et la chaleur massique, mais un coefficient C, qui est la capacité calorifique, tout court pas capacité calorifique massique, mais la capacité calorifique du calorimètre, qui, euh, qui est en fait une sorte d'équivalent du produit de la masse par la chaleur massique. Donc, ça, c'est ce qu'on cherche, bien sûr. Et ensuite, il y a les températures initiales et finales, comme d'habitude. Vous calculez Q1, vous calculez Q2, vous exprimez Q3. Et ensuite, de Q1 plus Q2 plus Q3 égale 0, vous en tirez, c'est la capacité calorifique de ce calorimètre. A vous de jouer. Un corrigé de cet exercice, donc j'ai rassemblé les masses, les chaleurs massiques, les températures initiales et finales de chacun des corps et du calorimètre, et puis exprimé Q1, 30, 3, euh, 33 440 joules, Q2, moins 37 620 joules. Chacun, les deux peuvent se calculer, calculer puisqu'on a tout pour le calculer. Et pour le, le Q3, en fait, on ne peut qu'exprimer en fonction de C. Et donc, ça va nous donner C que multiplié F autant dire 32 fois C. De l'équation Q1 plus Q2 plus Q3, on en tire grand C. Et vous allez tirer grand C est égal à 130 joules par Kelvin. Pas joules par kilogramme par Kelvin, mais joules par Kelvin. C'est la capacité calorifique totale du calorimètre. Donc, un deuxième exemple de cette méthode des mélanges. Et euh, comme ça, qui permet en fait, si on essaye de réfléchir, qui permet de déterminer un élément qui nous manquerait dans, les, dans, les, dans, dans ce tableau, un élément qui nous manque. Allons un peu plus loin sur cette méthode des mélanges et posons-nous la question suivante. Et si un décor qui sont présents dans le calorimètre peut changer de phase, qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça change dans la méthode des mélanges que l'on a vue jusqu'à présent Prenons un exemple. Dans un calorimètre, je mets une masse ML d'eau liquide à température supérieure à 0°C et je mets une masse MG de glace à température inférieure à 0°C. Ma question est la suivante quel est l'état final du système Est-ce que toute la glace va fondre ou pas si toute la glace est fondue, quelle est la température finale Combien de glace va fondre, etc. etc. Quel est l'état final du système Mais l'état final du système, ça dépend de, de beaucoup de paramètres. De Mg, de ML, masse de glace et masse de liquide au départ, de la température de la glace, si c'est de la glace très froide ou de la glace moins froide, de la température du liquide au départ, si le liquide était très chaud ou pas, de la chaleur latente de fusion de la glace, grande L, etc., etc., etc. Beaucoup de choses. Certains cas sont évidents. Par exemple, si je mets un glaçon de 10 g à 0 degrés Celsius dans 10 litres d'eau liquide à 80 degrés Celsius, nul ne doute, nul doute que le glaçon va fondre et que la température va s'établir quelque part un tout petit peu en dessous de température d'équilibre, un tout petit peu en dessous de 80 degrés Celsius, parce que les, la chaleur contenue dans les 10 g à 0 degré Celsius représente quand même pas grand chose. Donc certains cas sont évidents. Mais sinon, dans la plupart des cas, eh bien, on va travailler sous hypothèse. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va émettre une hypothèse, on va faire tous les calculs, et à la fin, on va juger le résultat. Est-ce que le résultat est raisonnable S'il est raisonnable, l'hypothèse est correcte. S'il est déraisonnable, l'hypothèse doit être infirmée. En fait, on va toujours faire de la manière suivante. Hypothèse 1. On va supposer dans l'hypothèse 1 qu'il reste une masse mg de glace. Toute la glace n'a pas fondu. À ce moment-là, la température TF, on la connaît. Si la glace n'a pas fondu complètement, c'est qu'on est à l'équilibre. Et l'eau liquide avec l'eau solide, la glace, est à l'équilibre uniquement à la température de 0 degrés Celsius. Sinon, ce n'est pas possible. Donc la température finale, là, elle est connue. Dans l'hypothèse 1, c'est 0 degrés Celsius. Par contre, combien de glace a fondu? Ça, c'est la véritable inconnue. On ne sait pas combien de glace a réellement fondu. Donc on va faire le calcul. On va exprimer les chaleurs et à la fin on trouvera la masse de glace qui est fondue. Si on trouve une masse de glace comprise entre 0 et grand Mg, grand Mg la masse de glace au départ, alors ça va valider l'hypothèse 1. Mais si par exemple on trouve que la masse de glace fondue est plus grande que la masse de glace qu'on avait au départ, ben ça, ça rend l'hypothèse 1 invalide, et donc par conséquent, ça ne sera pas celle-là, ça sera l'hypothèse 2. Hypothèse 2, toute la glace a fondu. Si toute la glace a fondu, c'est devenu de l'eau liquide. À ce moment-là, cette eau liquide a pu monter un peu en dessous de 0 degrés Celsius. Donc là, l'inconnu, ce n'est pas la quantité de glace qui a fondu, tout a fondu. Mais c'est la température d'équilibre, c'est TF. Et donc, on fera tous les calculs, on se met, quand on se met sous l'hypothèse 2, on fait tous les calculs pour exprimer et calculer Tf. Et ensuite, eh bien, on juge si l'hypothèse est correcte ou pas. Si on trouve Tf compris, en, comprise entre 0 et la température du liquide au départ, alors l'hypothèse 2 est validée. Hein, si vous trouvez un Tf égale 10 degrés Celsius alors que la température de l'eau au départ était de 25 degrés Celsius, eh bien ça, ça valide, ça valide l'hypothèse. Par contre, si Tf est, est absurde, par exemple Tf négatif ou Tf plus grand que Tl, si Tf est, est, est absurde, alors l'hypothèse 2 est invalide et il faut revenir sur l'hypothèse 1. En fait, donc on a le choix, on va, faire, on va choisir une hypothèse et faire les calculs. Si on a choisi la mauvaise hypothèse, ben, pas de bol, pas de chance, il faudra utiliser l'autre. D'où la nécessité de travailler au brouillon, chaque fois. Hein, sur, quand, on, quand, quand vous ferez des exercices pour l'examen... Avec ce genre de, de méthodologie, vous faites vos calculs au bouillon et vous ne recopiez sur la copie que la bonne hypothèse. Vous faites une hypothèse, vous la testez, et, et si, euh, si c'est la bonne, vous la recopiez. On ne veut pas les deux calculs. Ici, on va faire les deux calculs en TD, mais sur la copie d'examen, on ne veut pas les deux calculs. Donc, euh, mon petit conseil, si vous ne savez pas, donc si on n'est pas dans un cas évident, par exemple le cas du petit, du petit glaçon de quelques grammes dans les 10 litres d'eau à 80 degrés Celsius, donc si on n'est pas dans des cas évidents, si le cas est évident, évidemment, vous choisissez l'hypothèse 1 ou l'hypothèse 2. Mais si vous n'êtes pas dans des cas évidents, commencez toujours par l'hypothèse 1, parce qu'elle est beaucoup plus simple sur les calculs. Donc vous ne perdrez pas beaucoup de temps, si ce n'est pas la bonne, vous ne perdrez pas beaucoup de temps, et vous passez de suite sur l'hypothèse de type 2, de manière à, 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 à avoir la bonne hypothèse si la première n'est pas la bonne. Donc commencez toujours par tester l'hypothèse 1 plus simple dans les calculs. Donc voici un exercice de calorimétrie avec un changement de phase. Dans un vase en laiton de masse m égale 200 g, on place 30 g de glace à 0 degrés Celsius. On introduit ensuite 500 g de mercure à 100 degrés Celsius. Quelles sont la composition et la température du mélange final En gros, combien y a-t-il de glace Combien reste-t-il de glace Combien y a-t-il d'eau Et quelle est la température de tout ce petit monde donc, cette, euh, cette, euh, cet exercice peut se faire sous les deux hypothèses. Hypothèse 1, l'état initial 30 g de glace à 0, et on a du laiton, 200 g de laiton aussi à 0. Je suppose que les deux sont à l'équilibre, ce n'est pas dit dans l'exercice, mais on a la glace qui est placée dans le laiton, donc les deux sont à 0 degrés Celsius. Et on a rajouté 500 g de mercure à 100 degrés Celsius. Dans l'hypothèse 1, je vous rappelle, la glace ne fond pas complètement. Donc si la glace ne fond pas complètement, il va rester à l'état final une masse Mg g de glace d'eau, donc de la glace, et c'est celle qui va rester, Mg, et une masse, il va apparaître une masse ML d'eau liquide à 0 degrés Celsius. Le laiton est resté là, 200 g de laiton à 0 degrés Celsius, et 500 g de mercure à 0 Celsius. Donc l'état final est là. La température, comme je l'ai dit, on la connaît, c'est 0 degré Celsius. Ce qu'on ne connaît pas, c'est ml ou mg. De toute façon, si vous avez l'un, vous avez l'autre. Donc, ce qui nous manque, c'est la masse de glace ou la masse de liquide qui reste, ou qui, qui reste dans le calorimètre, qui est apparue dans le calorimètre. L'hypothèse de type 2, toute la glace va fondre. Donc, l'état initial est exactement le même. Par contre, l'état final, là, il n'y a plus de doute sur la glace. On aura 30 g d'eau liquide ATF. À la température TF, toute la glace a fondu. Et on aura donc aussi 200 g de laiton à TF et 500 g de mercure à TF, à la température TF. Donc là, on pourrait essayer de juger pour savoir si c'est l'hypothèse 1 ou l'hypothèse 2 qui sont, qui sont la bonne. Mais cet exercice, il est fait, il est fait pour ça, est un peu troublant, parce qu'on va rajouter sur un petit glaçon de 30 g à 0 degré Celsius, donc finalement pas grand-chose, on rajoute 1 demi kilo de mercure à 100 degrés Celsius. Donc, si on regarde la masse du corps que l'on rajoute un demi kilo, c'est beaucoup 500 grammes et 100 degrés Celsius est une température élevée. Donc ça, ça ne pourrait nous laisser croire que toute la glace va fondre. Mais malgré tout, nous avons calculé dans un des exercices précédents la chaleur massique du mercure et la chaleur massique du mercure est particulièrement faible. Donc, on, a, on hésite parce que ce n'est pas si évident que ça. On a une grosse masse à une grande température. Par contre, la chaleur massique est faible. Donc, cette température-là ne veut pas dire forcément une énorme quantité de chaleur. Et donc, ben donc, on va faire les deux hypothèses, on va faire les deux calculs. J'ai repris l'exercice. Ça va être à vous de jouer. On va faire dans ces deux colonnes les, les calculs correspondants. À gauche, sous l'hypothèse 1. Donc la masse mg, grand mg, la masse de, de glace, les 30 grammes vont se séparer en petit mg, la glace qui reste, et petit ml, la glace qui a fondu. Le tout est à 0 degré Celsius. Et j'ai repris mes trois corps, le mercure, la glace, le calorimètre, pour exprimer Q1, Q2, Q3 à chaque fois. L'inconnu, ben l'inconnu, ça sera ML, la masse de liquide, la masse de glace qui a fondu, qui est apparue sous forme liquide. Pour l'hypothèse 2, Maintenant, je n'ai plus aucun doute sur la masse de glace qui a fondu, c'est toute la glace. Mais par contre, je ne connais pas la température Tf. Tf qui est censée être supérieure à 0. Et là, on peut calculer donc Q1, Q2, Q3 aussi, et puis exprimer Tf. Et chaque fois, juger, re, juger si l'hypothèse 1 ou l'hypothèse 2 est correcte. Encore une fois, dans ces exercices, on va faire les deux. Mais vous, en examen ou en, euh, ou en exercice, vous testez une hypothèse, si ce n'est pas la bonne, vous vous rabattez sur l'autre et vous ne donnez que la bonne. Donc essayons de calculer les, de calculer les, deux. les deux grandeurs. Donc, euh, voilà, cherchez par vous-même les deux grandeurs, essayez d'exprimer. La, la, la seule chose qui sera différente, c'est qu'il va apparaître pour la glace un terme de chaleur latente de, de fusion, ce terme pour la glace. Donc, euh, faites, faites les, exer les exercices par vous-même pour vous rendre compte de, de, ces, de, ces, de, de cet exercice. Corrigé rapide de l'exercice. Pour le mercure, dans le premier cas, le mercure était à 100 degrés Celsius et il passe à 0 degrés Celsius. Donc pour la chaleur Q1 correspondante au mercure, j'ai fait la masse du mercure que multiplie la chaleur massique du mercure que multiplie température finale moins température initiale. Cela donne moins 6850 joules. Pour la glace, la glace, c'est 30 grammes de glace qui était déjà à 0 degré Celsius, donc elle s'est déjà prête à fondre. Dès que je rajoute de la chaleur, elle commence à fondre. On a une masse ML qui a fondu. Un hein, grand mg, la masse du glaçon, est égale à petit mg, la masse de glace qui reste, plus ML, la masse d'eau liquide. Celle qui a fondu, c'est ML, c'est l'eau liquide. Donc, ça correspond à une chaleur que j'ai appelée Q2, qui est égale à ML... Que multiplie la chaleur latente de fusion de la glace, Lf. Autant dire 3,3 10 puissance 5 fois mL. Voyez apparaître notre inconnu ici, mL, dans, le, dans, cette, dans cette équation. Pour le, calorimètre, pour le calorimètre, le vase en laiton, c'était grand mL. Ne confondez pas le laiton et le liquide ici, petit mL et grand mL. Donc Q3, c'était grand ML, que multiplie la capacité calorifique du laiton, que multiplie ben, température finale moins température initiale. Température finale, c'est 0, température initiale, c'est 0. Donc ce coup-ci, ben, c'est 0 euh, joule pour Q3. Et donc, en fait, on tire directement de Q1 plus Q2 plus Q3 est égal à 0, à puisque c'est toujours Q+, plus moins Q-, moins, ce sont des calorimètres adiabatiques, encore une fois. Donc, de la somme des 3Q, 1 plus Q2 plus Q3 est égale à 0, on tire ML, la masse liquide, et on trouve que ML est égale à 0,0207 kg, autant dire 20 g. C'est bien compris entre 0 et 30 g, donc en fait, c'est la bonne hypothèse. L'hypothèse est validée. Si on était en examen ici, vous arrêtez ici, vous recopiez cet exercice, et le tour est joué. Non seulement c'était l'hypothèse la plus simple, mais en plus vous l'avez trouvé du premier coup. Donc bravo. Si vous étiez penché sur une hypothèse de type 2. Donc là, comme j'ai annoncé, ça va être un peu plus calculatoire, puisqu'en fait, notre inconnu, c'est la température TF. Et TF va malheureusement intervenir dans chacun des termes Q1, Q2 et Q3. Et donc pour, va, tout cela va alourdir les calculs. C'est pour ça que les hypothèses de type 1 sont toujours plus simples. Donc Q1, c'est le mercure. MHGCHG que multiplie Tf moins TI. Maintenant Tf et TI, mais ben je ne connais pas Tf, donc j'exprime en fonction de Tf 68,5 fois Tf moins 6850. Q2 c'est la glace. Donc la glace, qu'est-ce qui lui arrive Il faut qu'elle fonde. Première chose, elle fond complètement pour devenir de l'eau liquide. Et ensuite, cette eau liquide va monter de la température 0 degré Celsius à la température Tf. Donc cela donne en termes de chaleur. MgLF, ça c'est la chaleur nécessaire pour faire fondre la glace, toute la glace, toute la masse MG, MGLF, plus c'est devenu de l'eau liquide. Donc, mais ça reste quand même une masse Mg. Donc j'ai fait Mg, la masse de glace, mais qui est devenue liquide, que multiplie CE, capacité calorifique de l'eau liquide. Donc euh, que multiplie CE, que multiplie Tf-0, température finale CTF, température initiale. Le glaçon était à 0 degré. Donc, quand, quand il a fini de fondre, il était encore à 0 degré. Donc, tout ça, ça va me donner 125,4 fois TF plus 9900. Le troisième terme, c'est le terme du calorimètre. ML, masse du laiton, CL, capacité du laiton, que multiplie TF moins 0, ce qui me donne 84 TF. On voit que TF est dans les trois termes de l'équation. De, de les trois termes de, de chaleur, ici, Q1, Q2 et Q3. Et donc, ça va être un peu plus calculatoire. Vous faites Q1 plus Q2 plus Q3 égale 0. Il faut faire passer les constantes du côté, euh, du côté droit et ensuite ben, diviser pour obtenir Tf. Et quand vous faites ça, vous trouvez que Tf est égal à moins 11 degrés Celsius. Ce qui, évidemment, est impossible, qui, 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 est, qui est en contradiction avec les hypothèses de notre exercice. Et donc, c'est bien que ce n'est pas la bonne hypothèse. Si par hasard, en examen, vous aviez commencé par celle-là, ben malheureusement, vous devez tout arrêter et vous précipiter sur l'hypothèse de type 1. Autre exercice avec changement de phase un calorimètre en laiton de masse 200 g contient 400 g d'eau à 20 degrés Celsius. On introduit un bloc de glace de 150 g à la température de moins 10 degrés Celsius. Déterminer l'état et la température du système à l'équilibre. Donc au départ, un calorimètre qui contient de l'eau à 20 degrés et on rajoute de la glace qui était à moins 10. Donc je suis allé vite ici. Les deux hypothèses à gauche, hypothèse de type 1, à droite, hypothèse de type 2, calcul de Q1, Q2, Q3 dans chacune des trois hypothèses pour l'eau, la glace et le calorimètre. Côté hypothèse 1, l'inconnu, c'est toujours ML, hein, la masse, la masse de, de, de glace qui a fondu, qui est apparue sous forme de, de, de liquide. Et pour l'hypothèse 2, l'inconnu, c'est TF. Donc là aussi, je vous laisse chercher. La seule différence notable avec l'exercice précédent, c'est que la glace, elle ne va pas commencer par fondre immédiatement. Elle est à moins 10 degrés Celsius. Donc il va falloir déjà faire monter cette température, donner la chaleur à la glace pour monter sa température de moins 10 à 0 degrés Celsius. Donc on aura un terme, pour la glace, on aura un terme supplémentaire d'échange d'énergie pour monter à, à moins, 10 degrés, de moins 10 degrés Celsius à 0 degrés Celsius. Donc je vous laisse travailler à vous de jouer, éteignez la vidéo et, et, et travaillez sur cet exercice pour exprimer chacun des. Chacun des, ch chacun des termes et essayer de savoir quelle est l'hypothèse qui est la bonne et, et quelle est la bonne réponse, l'état et la température du système à l'équilibre. Donc voici, voici quelques réponses sur, sur l'exercice en question. Donc pour l'eau, hypothèse 1. L'eau Va passer de, de, de 20 degrés Celsius à 0 degrés Celsius. Donc on aura 400 g d'eau qui va passer de 20 degrés Celsius à, à, à 0 degrés Celsius. Et donc ça donnera une chaleur Q1 qui est égale à moins 33 440. Pour la glace, première chose, il faut que la glace monte à 0 degrés Celsius. Et ensuite, une partie de la glace va fondre. Donc, on aura deux termes sur Q2. D'abord, la glace qui va monter de moins 10 à 0, mgCg, capacité calorifique de la glace, de l'eau sous forme de glace. mgCg, que multiplie 0 moins Tg, température initiale de la glace. Attention, la température initiale de la glace, c'est moins 10. Hein, donc, ce terme-là, il va faire, quand vous le calculerez, ça fera 0 moins moins 10. Donc, en fait, 0 plus 10. Donc, ce premier terme pour monter la glace jusqu'à température 0 degré Celsius et puis ensuite faire fondre une masse ml de glace, donc plus ml Lf. Numériquement, quand je calcule tout ça, ça va me donner 3000 plus 3,3 10 puissance 5 fois ml, la masse de glace qui a fondu. Le calorimètre démarre à 20 degrés et se retrouve à 0. Donc lui, ça va donner 0,2 sa masse, que multiplie 420 capacité calorifique du laiton, que multiplie 0 moins 20, et donc ça donne moins 1680 joules. Lorsque vous avez calculé tout ça, vous trouvez une masse ml de 0,097 kg, et donc ça donne 97 g, qui est bien compris entre 0 et 150 g, et l'hypothèse est validée. En fait, L'eau va descendre, l'ensemble va descendre à 0 degré Celsius et une partie seulement de la glace va fondre. La partie a fondu correspond à une masse de 97 g. Si on regarde l'autre hypothèse, donc là on a une température finale TF qu'on suppose comprise entre 0 et 20 degrés Celsius. Ça nous donne une chaleur Q1. Exprimé ici, 1672 TF 33440 Une chaleur Q2. Alors là, on est sur la glace, on a trois termes. La glace part de moins 10 degrés Celsius, elle doit arriver à 0 degrés Celsius. Tout le terme MG, CG, 0 moins TG. Ensuite, la glace doit fondre complètement. D'où le terme Grand MG, LF. Et ensuite... L'eau qui est devenue liquide, la masse Mg qu'on avait, mais c'est devenu de l'eau liquide, doit monter jusqu'à la température de 0 jusqu'à la température Tf. Et donc la masse Mg que multiplie la capacité calorifique de l'eau liquide, CE, que multiplie Tf-0, un troisième terme. Quand on exprime tout ça, le premier terme fait 3000, le deuxième terme 49500, et le dernier plus donc 627 fois Tf. Vous faites Q1 plus Q2 plus Q3. Ah, pardon, le terme Q3. Le terme Q3 est ici. ML, la masse de laiton, que multiplie CL, la capacité du laiton. Température finale moins température initiale. 84 TF moins 1680. Donc, des calculs un peu lourds, mais qui permettent d'obtenir TF. Et lorsque vous faites ça, vous trouvez TF égale moins 12 degrés Celsius. Ce qui est bien sûr impossible sur ce cas-là. C'est inférieur à la température initiale de la glace, donc c'est juste impossible et donc l'hypothèse était invalide. Encore une fois, c'est l'hypothèse de type 1 qui était la bonne. Un autre exercice sur la méthode des mélanges avec changement de phase, donc on considère un calorimètre de capacité calorifique totale mu est égal à 100 joules par kelvin, qui contient une masse Me d'eau de 200 grammes, L'ensemble est à température de 20 degrés Celsius. On introduit 15 g de vapeur d'eau, donc un petit peu de un petit nuage de vapeur d'eau, si vous voulez, à la température de 150 degrés Celsius. Déterminer l'état et la température du système à l'équilibre. Alors là, en y réfléchissant un tout petit peu, on ne va pas se jeter sur les deux hypothèses, puisque ben, 15, g, 15 g de vapeur d'eau par rapport à une masse de 200 g d'eau. Qui était à 20 degrés Celsius, même si cette vapeur d'eau est à 150 degrés Celsius au départ, ben on peut imaginer qu'elle ne va pas faire long feu et que toute la vapeur d'eau va, va, va se liquéfier et qu'à la fin, on aura donc une température TF comprise entre 0 et 100 degrés Celsius, la température de vaporisation de l'eau. De et donc, j'ai travaillé sous l'hypothèse 2, uniquement, je n'ai pas fait les deux hypothèses. Hypothèse 2, ben vous, vous calculez Q1, vous calculez Q2. Vous calculez Q3 du calorimètre et vous en déduisez Tf. Alors pour l'eau, il y aura un simple terme, puisque l'eau va passer de 20 degrés à température Tf. Pour le calorimètre, c'est pareil, un simple terme. Le calorimètre va passer de 20 degrés à la température Tf. Par contre, pour la vapeur d'eau, vous allez avoir trois termes. La vapeur d'eau doit faire la première chose, doit passer de 150 degrés Celsius à 100 degrés Celsius en restant de la vapeur. Puisque en fait, pour se liquéfier, elle a besoin d'être à 100 degrés Celsius, à pression atmosphérique normale. Donc ensuite, une fois qu'elle sera à 100 degrés Celsius, un deuxième terme pour liquéfier cette vapeur d'eau, on obtiendra donc de l'eau liquide à 100 degrés Celsius. Et ensuite, il y aura un troisième terme pour que cette eau liquide à 100 degrés Celsius descende à température TF. Donc la vapeur, le Q2 sera le terme le plus, le plus lourd puisqu'il y aura trois, trois expressions trois expressions à l'intérieur. Donc, euh, calculez euh, là aussi, cherchez un peu par vous-même, calculez ces expressions et essayez de déterminer la température ETF, la température d'équilibre du système. À vous de jouer. Donc, un corrigé rapide de cet exercice. Pour ce qui concerne l'eau, on aura un facteur, un, un, une chaleur Q1, qui sera égal à MECETF-20, un simple terme. Donc 836 fois TF-16720, quand on l'exprime. Pour la vapeur, j'ai dit qu'il y aurait trois termes, les voilà. Donc euh, la masse petit m de vapeur, les 15 g de vapeur, que multiplie CV, capacité calorifique ou chaleur massique de la vapeur d'eau. CV, c'est spécifique. Hein, Ce n'est pas la même chose, la capacité calorifique n'est pas la même chose pour la glace, le liquide et la vapeur pour l'eau. Donc là, c'est bien, bien de la vapeur. Que multiplie température finale moins température initiale Température finale, c'est 100 degrés Celsius. Température initiale, 150 degrés Celsius. Donc 100 moins 150. On voit que ce terme est négatif, là, c'est normal. Ce terme est négatif parce qu'il faut prélever de la chaleur à la vapeur pour qu'elle descende à 100 degrés Celsius. Ensuite, on va avoir un terme petit m fois LV. Alors, petit m, c'est la masse de vapeur, c'est les 15 grammes. Lv, c'est la chaleur massique, c'est la, 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 la chaleur latente de changement d'état, de vaporisation de l'eau. Attention, c'est la chaleur latente de vaporisation, mais là, on va dans le sens inverse, on va en liquéfaction. C'est pour ça qu'il y a moins petit m fois élevé Donc, le moins ici vient qu'on fait une liquéfaction de l'eau. De la, de la vapeur d'eau et non pas une vaporisation. Ça doit être ici, il nous faut un terme négatif. Il faut prélever à cette vapeur d'eau qui est à 100 degrés, il faut lui prendre de la chaleur de manière à ce que ça devienne de l'eau liquide à 100 degrés. Et donc ce terme, il me le faut négatif. C'est pour ça qu'il y a le moins ici. Et le de, dernier terme. Donc MEM, M, la masse de la vapeur, que multiplie CE, chaleur, euh, chaleur massique de l'eau, puisque c'est devenu de l'eau liquide, que multiplie TF moins 100, la différence de température entre la température finale et 100 degrés Celsius. Au finish, 62,7 fois TF moins 46 845. Q3, c'est la chaleur échangée par le calorimètre. Le calorimètre a comme capacité calorifique totale mu, et donc ça nous donne mu facteur de Tf, température finale, moins sa température initiale, 20. Et donc 100 fois Tf, moins 2000. On en rassemble tout ça dans un Q1 plus Q2 plus Q3 est égal à 0. La seule inconnue, c'est Tf, et on exprime Tf. Tf va donc donner, tout calcul fait, ben je l'ai calculé ici, 65,6 degrés Celsius. En fait, l'hypothèse est validée. On trouve bien une température qui est raisonnable, c'est-à-dire comprise entre 20, la température initiale, et 100, parce qu'on a fait l'hypothèse que toute la vapeur se liquéfie. Donc voilà pour la détermination de cette température finale et pour ces, ces petits exercices sur, les, sur des, la méthode des mélanges lorsqu'on a un changement de phase. Autre type d'exercice, c'est toujours la méthode des mélanges, mais vous allez voir qu'on commence va commencer à avoir des termes Q plus et des termes Q- moins qui vont rentrer. Jusqu'à présent, on considérait tous nos calorimètres comme étant complètement diabatiques, et Q plus est égal à Q-, c'est égal à 0. Ben, ça va changer un peu avec ces exercices-là. D'abord, un exercice sur la méthode, une méthode électrique. On suppose un calorimètre en laiton. De masse mL égale 100 g qui contient une masse ME égale 200 g d'eau et un bloc d'aluminium de masse MA égale 140 g donc du laiton 100 g de l'eau 200 g et un bloc d'alu à l'intérieur métal d'alu de 140 g. Le tout est à température initiale T1 est égal à 15 degrés Celsius. On plonge une résistance de chauffage de 4 ohms dans, dans l'eau et on fait passer un courant électrique d'intensité 3A pendant 2 minutes. Que va-t-il se passer Eh bien, par effet joule, ce courant qui va circuler dans cette résistance va dégager de la chaleur. Donc là, on va rentrer de la chaleur. Ça, ça va être un terme Q ⁇ C'est vraiment de la chaleur qui va rentrer. Puis, donc, lorsque l'équilibre thermique est atteint, on constate que la température du calorimètre, donc au bout des deux minutes, est devenue Tf est égale à 19,3 degrés Celsius. Question quelle est la chaleur massique de l'aluminium, CA Donc, pour résoudre cet exercice, on vient, on vient d'identifier à la lecture qu'on allait avoir un terme Q. Le reste, c'est du classique masse que multiplie chaleur massique, que multiplie température finale moins température initiale pour tout le monde. Simplement, là, on va avoir un terme Q qui va se rajouter. Donc la première chose c'est d'exprimer ce terme Q, d'exprimer aussi Q- bien sûr, mais ici Q- ça va être égal à 0. C'est de la chaleur avec un, un thermoplongeur, comme ça une résistance de chauffage, c'est de la chaleur que vous faites rentrer. On n'a pas, pas de méthode électrique pour extraire de la chaleur, on ne peut que faire rentrer de la chaleur. Et donc vous exprimez votre Q ici, vous exprimez Q1, Q2 et Q3, et de l'équation fondamentale de la calorimétrie, Q-Q- est égal à Q1 plus Q2 plus Q3. Mais ben vous en tirerez la chaleur massique de l'aluminium que vous cherchez. À vous de jouer, encore une fois, arrêtez la vidéo et cherchez par vous-même. Faites-le de manière à ce que ça soit maximum, maximum rentable, maximum utile. Voilà, solution de, de l'exercice de calorimétrie sur la méthode, la méthode électrique. J'ai d'abord exprimé Q ⁇ Q ⁇ c'est Ri que multiplie T. T, c'est le temps de chauffe. C'est le temps pendant lequel on va laisser le, la résistance de chauffe avec un courant, un courant qui circule au travers elle. Ri, c'est une puissance. Ri, c'est la puissance par effet joule. Ri, donc, ce sont des, des, des watts, c'est-à-dire des joules par seconde. Quand je multiplie ces joules par seconde par un temps en seconde, j'obtiens bien des joules. Donc R que multiplie T, c'est le Q que je cherche. C'est la chaleur qui va rentrer pendant ce temps T où, on, où la, le courant I a circulé dans cette résistance R. Numériquement, ça nous donne 4320 joules. Ensuite, j'ai exprimé Q1, Q2 et Q3. Alors c'est classique maintenant. Q1, masse de laiton, capacité du laiton, Tf-Ti. Q2, masse de l'eau, capacité de l'eau, Tf-Ti. Et Q3, masse de l'aluminium, capacité de l'aluminium que l'on ne connaît pas, c'est notre inconnu, Tf-Ti. Numériquement, ça donne 180,6 joules, 3594,8 joules, et 0,602 fois Ca, la capacité calorifique de l'aluminium. Lorsqu'on Lorsqu fait... L'opération, lorsqu'on fait Q plus moins Q moins est égale à Q1 plus Q2 plus Q3, ça nous donne une équation où la seule inconnue est CA. Donc on exprime CA, c'est ce que j'ai fait ici, et on trouve de l'ordre de 900, 904 joules par kilogramme et par Kelvin, qui est la capacité calorifique de l'aluminium. Donc voilà pour cet exemple de, de, de méthode des mélanges dans lequel on a un terme Q plus, on a un terme d'apport de chaleur. Nouvel exercice sur la détermination d'une chaleur de combustion. Lisons-le. Un calorimètre adiabatique de, calo... de capacité calorifique mu égale 330 joules par Kelvin contient 2 kg d'eau ainsi qu'une bombe calorimétrique dans laquelle on effectue la combustion complète de 2 g d'un corps chimique. La température initiale de l'ensemble est de 15,5 degrés et une fois que le corps chimique aura fait sa combustion, donc après l'expérience, la température finale sera de 19,5 degrés Celsius. Calculer la chaleur de réaction du corps chimique. En fait, en gros, on a un petit, on appelle ça une bombe calorimétrique, c'est un petit contenant, une petite boîte, si vous voulez, dans lequel on a mis un corps chimique que l'on va faire, euh, dans lequel on va, on va réaliser la combustion de ce corps. On utilise ce genre de méthode pour mesurer les, les chaleurs de combustion des poudres, par exemple, les poudres explosives. Eh bien vous, euh, vous mettez un peu de poudre explosive dans, un, dans une boîte avec un système d'allumage et euh, vous enfermez tout ça dans un calorimètre là, avec de l'eau bien sûr et, et là vous déclenchez la, la combustion de cette, de cette poudre et vous mesurez l'augmentation de la température de l'eau. Donc c'est exactement ce qu'on fait ce qu'on va faire dans cet exercice, calculer la chaleur, de réaction d'un corps chimique. Ce qu'il faut bien voir ici au niveau des, des principes, c'est que c'est toujours la méthode des mélanges, ça n'a pas changé, mais que c'est un exercice où il y aura un terme Q. Cette énergie, cette chaleur de combustion, elle n'y était pas au départ, et on va la rajouter sous forme de chaleur. Et donc, ça, c'est un terme, pour nous, c'est un terme Q. Donc, pour résoudre cet exercice, Q, ben on va dire, c'est la chaleur de, de réaction du corps chimique, c'est ce que je cherche. Donc, on ne peut pas l'exprimer pour l'instant. Mais Q-, on va dire, c'est zéro. C'est un calorimètre adiabatique. Donc, ça, rien ne va sortir de ce, de ce calorimètre. Vous calculez Q1 et Q2. Il n'y a dedans que de l'eau et le calorimètre adiabatique. Donc, vous avez deux chaleurs à calculer. On néglige, dans cet exercice, on ne me le dit pas, mais je néglige la, la petite bombe calorimétrique. Forcément, elle participe aux échanges de chaleur, elle aussi. Mais on ne me donne aucune indication pour ni sa masse ni sa capacité calorifique. Donc je vais la négliger dans cette histoire. Et je vais considérer qu'il n'y a que le calorimètre et l'eau qui échangent de la chaleur à l'intérieur du, du calorimètre. Donc vous exprimez tout ça. Et de tout ça, vous en déduisez la chaleur de réaction du, du calorimètre. C'est à vous de jouer. Vous calculez, vous calculez le Q ⁇ en fait. De sorte à avoir la chaleur de réaction du calorimètre. Donc, euh, faites l'exercice, quelques éléments, quelques éléments de correction. Donc, Q, ben, c'est la chaleur de réaction. Q-, c'est 0 joules. Et les deux chaleurs des corps qui sont à l'intérieur du calorimètre, le calorimètre lui-même, mu, est égal. Donc, le, le calorimètre de capacité calorifique mu, va donner une chaleur Q1 qui est égale à mu, facteur de TF-TI. Lorsque vous calculez, ça fait 1320 joules. Et une chaleur, l'eau, va cha aussi échanger de la chaleur, bien sûr. Avec une chaleur Q2 qui sera égale à ME, la masse de l'eau que multiplie CE, que multiplie TF-TI, et là c'est 33 440 joules. Vous écrivrez que Q-Q- moins moins est égal à Q1 plus Q2, et vous en tirez, mais ben vous en tirez Q plus directement, 34 760 joules, qui est, qui est la, chaleur de réaction, la chaleur de réaction de ce, de ce, de ce corps chimique qui était, qui était à l'intérieur de la bombe calorimétrique. Dans cette dernière partie, nous avons des exercices sur des systèmes ouverts avec des débits de fluide. C'est sans nul doute les exercices les plus difficiles de cette feuille de TD. Donc je vais, je vais, je vais vraiment expliquer progressivement pour, pour vous montrer un peu comment, comment cela fonctionne. Le premier exercice concerne donc une, un exercice sur la variation de la température du calorimètre en fonction du temps. Regardons plus précisément cet exercice. On considère un calorimètre. De capacité calorifique totale 330 joules par Kelvin, qui contient 500 g d'eau et le tout est à la température θ0 de 20 degrés Celsius. On immerge dans ce calorimètre un serpentin rempli d'un courant d'eau, parcouru pardon, par un courant d'eau de débit massique D. C'est-à-dire, en fait, il y a une sorte de tube, un serpentin, un tube dans lequel on aura un courant d'eau qui va, qui va circuler. Et donc, l'eau va pénétrer dans le calorimètre, circuler dans le tube et puis ressortir du calorimètre dans le même tube, avec un débit D. L'eau du serpentin entre dans le calorimètre à la température θI égale 50 degrés Celsius et en ressort à la température θ du calorimètre, avec θ inférieur à θI. Les petites questions. Premièrement, faire le bilan des énergies thermiques durant une durée élémentaire d'été. Okay. Deuxièmement, établir l'expression de la température θ en fonction du calorimètre, theta du calorimètre en fonction du temps. D'accord Et puis, on me donne une application numérique. Au bout de 5 minutes de fonctionnement, on a une température θ de 30 degrés Celsius. Calculer le débit D. Alors, c'est hors de question de se jeter sur ces, sur ces questions sans avoir compris vraiment profondément avec quelle instrumentation, comment ça fonctionne et avec quelle instrumentation on est en train de, de travailler ici. Donc la première chose à faire, c'est vraiment travailler sur ce bilan d'énergie thermique et vraiment comprendre, avant de pouvoir espérer répondre à ces questions. Donc d'abord, comprendre l'instrumentation. Donc j'ai essayé de détailler ici un peu le système. Voici le calorimètre, rempli d'eau avec le serpentin. J'ai pris une photographie d'un serpentin. Pour, pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Mais euh, c'est donc un, un tube qui va s'enrouler sur lui-même et puis ressortir. Et avec un, un, le, dont la température, donc le débit d'eau à l'intérieur du serpentin, on voilà, va l'appeler grand D. La température initiale, la température à laquelle l'eau va rentrer dans le serpentin, c'est 50 degrés Celsius. Et la température à laquelle l'eau va sortir du serpentin, ben c'est la température θ qui est égale à la température de l'eau à l'intérieur. Comment est-ce possible ben C'est possible si vous avez un serpentin suffisamment long, de sorte à ce que l'eau chaude qui rentre, l'eau rentre à 50 degrés Celsius, elle rentre, elle est chaude par rapport à, 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 à l'eau qui est à l'intérieur du calorimètre, qui est à 20 degrés Celsius à l'état initial. Et donc elle est chaude. Et si vous voulez que le calorimètre, la température de sortie, de, 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 de l'eau dans ce serpentin soit égale à θ la température du calorimètre, il faut qu'il y ait suffisamment d'échanges thermiques entre l'eau qui circule dans le serpentin et l'eau du calorimètre. C'est pour ça que ça a une forme de serpentin. L'eau va y rester longtemps et il va échanger de la chaleur jusqu'à ce que les deux températures soient égales avant de sortir. Donc ces serpentins ont toujours cette forme-là, une forme enroulée sur eux-mêmes. Si vous avez un tuyau qui rentre et immédiatement ressort, il n'y a aucune chance. Pour que la température de sortie soit égale à la température du calorimètre. Les échanges thermiques n'auraient pas le temps de, de se passer. Donc faisons des petits raisonnements qualitatifs. L'eau dans le serpentin va réchauffer l'eau dans le calorimètre. Depuis sa valeur initiale, 20 degrés Celsius, au départ quand on allume la manip, la température du, de l'eau dans le calorimètre, c'est 20 degrés Celsius. Et progressivement, il va le réchauffer, il va le réchauffer. Et jusqu'à quelle température cela va le réchauffer ben, Jusqu'à 50 degrés Celsius. À un moment, la température à l'intérieur du calorimètre sera très proche de 50 degrés Celsius. À ce moment-là, l'eau du serpentin n'échangera plus de chaleur avec l'eau du calorimètre. Ils seront tous les deux à la même température. Et donc, l'eau dans le serpentin va rentrer à 50 et sortira à 50. Donc, on prédit, en fait, que la température, si j'essaye de tracer la température en fonction du temps, pour T inférieur à 0, j'aurai une température θ0 de 20 degrés Celsius. Au début, il ne s'est rien passé, je n'ai pas encore allumé ma manip. À T égale 0, j'allume ma manip, le débit D commence à circuler avec une température de 50 degrés Celsius. La température θ va commencer à augmenter. Et je ne sais pas quelle est la forme de θ en fonction de t, d'ailleurs c'est ce qu'on me demande dans l'exercice. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, quelle est l'équation qui va permettre, me permettre de représenter θ en fonction de t, mais ce que je sais, c'est qu'au bout d'un temps relativement, enfin un temps long, si j'attends un temps long, la température θ va tendre. Asymptotiquement vers 50 degrés Celsius. Elle ne peut pas le dépasser. Elle va monter progressivement jusqu'à atteindre, être tangente, c'est une asymptote, ce qu'on appelle une asymptote, être tangente à θ égale 50 degrés Celsius. Donc ce qu'on voudrait avoir, c'est cette forme θ en fonction du, du, du temps, pour un, un temps euh, compris, donc supérieur à zéro, pendant, pendant cette expérience. Une fois qu'on a compris ça, on comprend aussi que les échanges d'énergie, ils se font en permanence. C'est un système qui va évoluer en fonction du temps. Ce n'est pas comme les exercices précédents où on mettait tout à l'intérieur d'un calorimètre, on secouait un peu, on avait une température initiale, une température finale. Là, il n'y a pas de température initiale et finale. Finalement, la température θ va évoluer tout le long du temps. Et donc, on ne peut pas appliquer la même méthodologie. En fait, on ne peut pas calculer, on ne peut pas exprimer une chaleur échangée pendant un certain temps mais il va falloir raisonner sur un petit temps d'été donc comme les températures évoluent en fonction du temps on va appliquer notre équation fondamentale de la calorimétrie Q plus moins Q moins c'est égal à somme des Qk ça sera la même équation mais non pas d'un instant initial à un instant final parce que là il n'y a pas d'instant initial et d'instant final mais sur un petit temps d'été et pas sur la totalité de l'expérience donc on va se demander qu'est-ce qui se passe entre t et T plus dt. Quelle est Q plus est Q moins Quels sont les Q1, Q2, Q3 éventuels Et appliquer cette équation dans un petit temps dt et non pas sur la totalité de l'expérience. Déjà, commençons par un petit temps d'été. Donc là, j'attaque la résolution. Donc on va faire les bilans. C'est la, la question numéro 1. On va faire les bilans d'énergie, de chaleur sur un, sur un temps d'été. Qu'est-ce qui se passe entre T et T plus dt Sur la partie droite, j'ai représenté la courbe qui représente la température θ en fonction du temps. Hein, cette, cette courbe que je ne connais pas, mais que j'aimerais bien avoir, c'est le sujet de la question. Donc entre t et t plus dt, la température du, du calorimètre est passée de θ à θ plus dθ. Voilà ce qui s'est passé. La température du calorimètre a légèrement augmenté d'un petit dθ. Quelles sont les chaleurs qui ont été échangées C'est ça qui est essentiel maintenant entre t et t plus dt, pendant ce petit temps dt. D'abord, les chaleurs échangées par l'eau et le calorimètre. Donc, l'eau et le calorimètre, tous les deux, sont passés de la température initiale θ à la température finale θ plus dθ. Donc, quelles sont les chaleurs qui ont été échangées ben, L'eau a échangé une chaleur que j'ai appelée Q1. C'est la masse de l'eau, M0, que multiplie la capacité calorifique de l'eau, CE. Que multiplie température finale moins température initiale La température finale, c'est θ plus dθ. La température initiale, c'est θ lui-même. Donc, en fait, il me reste simplement M0Ce dθ. Repérez bien température initiale et température finale. Pour le calorimètre, la chaleur Q2 a été échangée et cette chaleur Q2 est égale à mu donc la capacité calorifique du calorimètre, que multiplie température finale moins température initiale, θ plus dθ moins θ, exactement la même chose que pour l'eau. Et donc là, ça va me faire mu dθ. Voici les chaleurs qui ont été échangées par l'eau et le calorimètre, j'insiste, pendant ce temps dt, pas pendant la totalité de l'expérience, mais pendant un tout petit temps qui a duré dt, entre t et t plus dt. Donc ça, ce sont les chaleurs échangées, c'est mes Q1 et Q2, il n'y a rien d'autre. Quels sont Q plus et Q maintenant Donc, quel est Q plus d'abord ben, Q plus pendant dt, il est rentré une petite masse dans le, dans le serpentin. Cette petite masse est rentrée à la température θi et elle est ressortie à la température θ. En fait, c'est pas la même, c'est pas le même petit dm, mais pendant que dm rentre à la température θi, on a dm qui sort à la température θ. Ils sont équivalents. En termes de chaleur, c'est totalement équivalent. Donc, l'ensemble a apporté une chaleur que j'ai appelée Q ⁇ qui est égale à quoi Qui est égale à dm, la masse en question, la petite masse qui est rentrée pendant le temps dt, dm que multiplie CE, capacité calorifique de l'eau, que multiplie bien Il me faut une différence de température. J'ai mis θi moins θ. Pourquoi Theta I, c'est la température chaude, c'est les 50 degrés, et θ c'est la température à laquelle ça sort. Mais parce qu'il me faut un Q plus positif. Et donc, c'est dm que multiplie CE, que multiplie Theta I moins θ. Une fois que vous avez ça, le dm ici, dm, c'est pas une donnée de mon expérience, donc je ne sais pas ce que c'est. Par contre, je sais que le débit, le débit d en kilogrammes par seconde, c'est dm sur dt. Donc, dm, c'est d, grand d, le débit, que multiplie dt, donc le, le, petit, le petit élément différentiel de temps. Donc, dm, je peux le remplacer par grand d dt, que multiplie ce, θi moins θ. Q-, ben Q- est égal à 0. Calorimètre adiabatique, on n'a pas de perte, donc on ne l'a pas considéré. Eh bien, c'est bon, on a nos trois termes. L'équation fondamentale de la calorimétrie va me donner Q plus moins Q moins égale Q1 plus Q2, donc Q plus est égal à Q1 plus Q2. Q plus est égal à Q1 plus Q2, cela donne Q plus, grand D, le débit, fois CE, la capacité calorifique de l'eau, θI moins θ, que multiplie DT, et Q1 plus Q2, j'ai factorisé, est égal à M0CE plus mu, que multiplie Dθ. Et bien, ça, c'est une équation différentielle. C'est une équation différentielle, on reconnaît nos petits éléments différentiels, le temps, dt, et θ, dθ, la, la, la température. C'est une équadif. Intégrer cet équadif va nous donner θ en fonction du temps. Donc là, on tombe sur une équation différentielle qu'il va nous falloir intégrer pour trouver θ en fonction du temps. On va intégrer cette équation-là. Je l'ai reprise ici. Donc, on va utiliser la méthode de séparation des variables. Je vous propose de mettre donc sur la gauche tout ce qui concerne la température et sur la droite tout ce qui concerne le temps et les constantes. Donc, si vous faites ça, on va séparer. C'est ce qu'on appelle séparer les variables. Une équation différentielle dont les variables sont séparables est une équation différentielle qui est relativement, qui, qui peut être simple à calculer. Donc en séparant les variables, vous allez trouver d'un côté de l'équation tout ce qui concerne la température, dθ, donc dθ sur θi moins θ, et de l'autre côté toutes les constantes, là, dCE, m0CE plus mu, donc c ça fait dCE sur m0CE plus mu, que j'appelle k, c'est une constante, que multiplie dt. Donc finalement, mon équation différentielle va devenir très simple. Elle va devenir dθ sur θ i moins θ égale kdt avec k une constante. Pour l'instant, k, je vais le laisser comme il est. On verra bien si on en a besoin après. On a besoin de l'exprimer. Pour l'instant, je sais que c'est une constante de, de, de mon, de mon expérience. Donc à intégrer cette équation différentielle, dθ sur θ i moins θ égale kdt. Bon, le côté kdt, pour intégrer, va nous poser aucun problème. Le dt va s'intégrer en t, tout simplement. Et, et, et ce n'est pas de problème. L'autre côté est un peu, plus, euh, un peu plus embêtant. On voudrait essayer de reconnaître une forme du genre dθ sur θ qui nous donnerait un logarithme, mais ce n'est pas direct parce que ce n'est pas dθ sur θ mais c'est dθ sur teta i moins θ. Et donc pour faire apparaître une forme, une forme connue, une méthode consiste à changer de variable. Je vais poser u est égal à teta i moins θ. Si je pose u égale θ i moins θ, θ est une constante, je vous rappelle, c'est 50 degrés Celsius. Donc du, c'est moins dθ, puisqu'on a le petit moins ce qui va apparaître là. Donc si je change la variable, dθ, je, je vais pouvoir le remplacer par moins du et θ i moins θ par u. En changeant de variable comme ceci, l'équation va devenir du sur u est égal à moins k dt. Le moins s'est passé de l'autre côté de l'équation. Soyez prudent quand vous le referez. Donc ce moins qui est apparu parce que du est égal à moins dθ, je l'ai passé de l'autre côté de l'équation. C'est très bien, parce qu'on vient de faire apparaître une forme du sur u qui va nous donner un logarithme, et donc on est content. Par contre, il faut qu'on se préoccupe des bornes d'intégration. Sur θ, on les connaissait, les bornes d'intégration. Le temps, on allait l'intégrer de 0 au temps t, et la température de, 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 de la température initiale, jusqu'à la température θ donc euh, par contre pour u ben, les bornes elles vont être lesquelles ben, lorsque t égale 0 on a θ qui est égal à θ0 et donc ui, u initial ça sera tout simplement θi moins θ0 donc le, la valeur initiale de u c'est θi moins θ0 50 moins 20 ça va faire 30 et pour euh, lorsque le temps va tendre vers l'infini on a u final en fait euh, pardon, lorsque le temps t va tendre, lorsqu'on sera au temps t, pardon, lorsqu'on sera au temps t, la température sera θ, et donc le u final, ça sera θi moins θ. Donc voilà nos deux bornes d'intégration, ui, θi moins θ0, et u final, θi moins θ. J'ai intégré ici, du sur u est égal à moins k dT. ça va me donner, lorsque je vais intégrer, j'intégrerai des deux côtés, Côté gauche, j'intègre de UF de UI, pardon, il y a un petit problème ici, c'est UI à UF de DU sur U, est égal à moins K, somme de 0 à T de DT. Et donc ça, ça va nous donner logarithme népérien de UF sur UI est égal à moins KT, et logarithme népérien de UF sur UI, je l'ai exprimé en fonction des températures, ça va donner logarithme népérien de θI moins θ, ça c'est UF, sur theta i moins θ0, ça c'est 8, est égal à moins kt, donc theta i moins θ est égal à i moins θ0 exponentielle moins kt, et pour finir, et bien pour finir mon expression, ce que je voulais c'est θ en fonction du temps, et bien la voilà. Donc θ en fonction du temps, je fais passer le theta i moins θ0 exponentielle moins kt de l'autre côté, et ça va me donner θ est égal à theta i moins theta i moins θ0 exponentielle moins kt. Alors on on navigue beaucoup avec des θi, des θ0, etc. On a un peu perdu de vue ce que c'était. Ce sont θi et θ0, ce sont des constantes. Et donc en fait, θi c'est 50, 50 degrés Celsius. Et θi moins θ0, ben, c'est 50 moins 30, donc 30. Et donc l'équation, elle est tout simplement θ est égal à 50 moins 30 exponentielle moins kt. Donc voilà l'expression de de θ, de θ en fonction du temps. Ce genre, après un certain nombre de lignes de calcul, c'est toujours bien de vérifier ces, ces expressions. Donc on va le vérifier, on va faire les, les valeurs que l'on connaît. Si θ égale 0, on sait que si t égale 0, pardon, à l'instant initial, θ va être égal à θ0. Et donc ça va être égal à 20. Ben, ça marche. 50 moins 30, ça me fait bien 20. Et si t tend vers l'infini... À ce moment-là, on a bien le terme θi moins θ0 exponentielle moins kt qui va tendre vers 0, et donc θ va tendre vers θi, c'est-à-dire 50 degrés Celsius. C'est bien, on a, bons, on a les bons comportements. Donc ce n'est pas une preuve d'avoir les bons comportements, ici là, au, au, au cas extrême, t égale 0 et t vers l'infini, mais tout de même, c'est rassurant par rapport à notre expression. Donc voilà, voilà pour l'expression de θ en fonction, en fonction du, du temps. La petite application numérique, Alors je, vous charge, je vous charge de la faire. On me dit qu'au bout de 300 secondes, la température est de 30 degrés Celsius. Et donc, euh, ce que j'ai fait, en fait, euh, j'ai déterminé, euh, on trouve d'abord, euh, la question c'était calculer le débit, et donc on trouve un débit de 7,8, 10-4 kg par seconde. Pour le calculer, ce que vous faites, vous remplacez déjà θ égale 30 dans l'expression, ça va vous permettre, et t égale 300 bien sûr, ça va vous permettre de calculer k. Donc on détermine d'abord k. Et une fois qu'on a k, comme k dépend de d le débit, ben vous déterminez d le débit en question. Donc déterminez d'abord k, puis ensuite déterminez d. Un deuxième exercice avec un système ouvert. Donc, euh, lisons l'exercice, on, im on immerge un serpentin dans un calorimètre de valeur globale à eau égale à 0,350 kg, et dont la température est maintenue constante à 40 degrés Celsius, par une résistance électrique chauffante alimentée en courant électrique. Le serpentin est parcouru par un courant d'eau de 600 g par minute, dont la température à l'entrée est de 15 degrés, et la température à la sortie est celle du calorimètre. Les petites questions quelle est la quantité de chaleur? Quelle quantité de chaleur doit fournir la résistance chauffante en une minute En déduire la puissance de cette résistance chauffante et quelle est l'intensité du courant étant donné que la résistance est de 100. V. Là aussi un exercice un peu compliqué où on va avoir plusieurs dispositifs. Donc la première chose avant d'essayer de répondre à la moindre question, c'est vraiment de comprendre à fond l'instrumentation en question. Ici nous avons un calorimètre. Et on me dit la température, la phrase qui est importante, on est passé rapidement dessus, c'est la, la température du calorimètre est maintenue constante à 40 degrés Celsius. Comment on peut maintenir constante cette température à 40 degrés Celsius Eh bien, par deux dispositifs. On a d'abord un serpentin qui fait circuler de l'eau, c'est de l'eau froide. La température rentre l'eau dans le serpentin rentre à 15 degrés et ressort à la température du calorimètre. Donc ça, c'est un système de refroidissement. On refroidit avec un serpentin euh, l'intérieur du calorimètre. Mais en même, temps, en même temps, on a plongé une résistance électrique qui est alimentée en courant électrique. Donc ça, c'est un système de chauffage. Donc là, dans, cette, dans cet exercice, on a les deux à la fois. On a hop, un système de chauffage, qui est cette résistance électrique de 100 ohms qui est parcourue d'un courant I. Ça, ça va nous donner le terme Q. Et on a à la fois aussi un système de refroidissement, puisque grâce aux serpentin, de l'eau froide circule à l'intérieur du calorimètre, rentre à 15 degrés et ressort à la température du calorimètre, c'est-à-dire 40 degrés. Mais ça, c'est un système de refroidissement. Ça va prélever de la chaleur. Et donc là, on a à la fois un terme Q, et un terme Q-. Et euh, durant. Euh, le temps T, eh bien, on pourra écrire que Q plus moins Q moins est égal à Q1 plus Q2, l'ensemble des chaleurs qui sont échangées à l'intérieur du, du calorimètre. Donc, que valent Q plus et Q moins Q plus, c'est la chaleur qui est amenée par un, une résistance de chauffe, donc R carré, la puissance de joule, que multiplie le temps T, le temps de l'expérience, et Q moins, ben, ça va être quoi Ça va être la masse qui a circulé pendant le temps T, donc euh, M, mais cette masse, elle, elle a prélevé de la chaleur à l'intérieur. Combien en a-t-elle prélevé ben, Elle a prélevé M, cette masse, que multiplie CE, la capacité calorifique de l'eau liquide, que multiplie θf ben, moins θi, donc 40 moins 15 ici euh, dans, cette, dans cet exercice. La masse qui a circulé durant un temps T, ben, c'est le débit, grand D, que multiplie le temps T. Et donc, ça va me faire un Q-, moins, ce qui va être égal à DT CE facteur de θF moins θI. Voilà, sur, le, sur cet exercice, les, les, les chaleurs qui sont échangées, eh bien, les chaleurs, la bonne surprise, c'est que les chaleurs qui sont échangées vont être relativement simples. Mais pourquoi Mais Parce que la pendant le temps T, la température à l'intérieur du calorimètre ne change pas. Et donc, Q1, la chaleur échangée, par le, le calorimètre, ben c'est mu Tf moins Ti, et bien ça, ça va donner 0, 0 joule. Et la, la, la chaleur Q2, ben ça sera aussi zéro joule. En fait, à l'intérieur, le calorimètre et l'eau n'échangent pas de, la, de chaleur. Donc, on va avoir Q plus moins Q moins est égal à Q1 plus Q2, est égal à zéro. Et donc, dans ce cas-là, Q plus est égal à Q moins. En fait, quand on regarde ce système, ce système a sa température qui est constante, pourquoi Parce qu'il rentre autant de chaleur Q+, qu'il ne sort de chaleur Q moins. Et le tout est stabilisé à 40 degrés Celsius. Voilà pour la compréhension de ce système. Si vous avez compris ce système jusqu'à jusqu cette étape-là, à, à ce moment-là, les questions qui vont être posées ne peuvent plus poser de problème. C'est vraiment. Ça va être vraiment, vraiment direct. Donc les petites questions, on va les, on va les résoudre là. Qu'est-ce qui s'est passé en une minute ben vous allez on demande de calculer la chaleur qui a été changée en une minute Q moins bon évidemment vous allez passer vous, de, vous, vous, vous ne connaissez pas le débit si on connaît le débit mais euh, on, peut calculer, on peut calculer Q plus et Q moins on peut calculer Q plus pardon et, 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 et donc en déduire Q moins c'est donc en déduire Q plus ensuite vous aurez P qui est égal à Q plus sur 60 puisque vous avez travaillé sur une minute la puissance ça sera l'énergie qui a été changée que divise 60 60 secondes. Et comme P c'est aussi Ri carré, ben vous en déduirez l'intensité qui sera racine de P sur R. Donc maintenant, à vous de jouer pour les différentes, euh, calculer ces différentes, euh, ces différentes grandeurs. Donc voilà, en une minute, Q-Q, Q Q la puissance, la puissance par effet joule et donc l'intensité correspondante. vous de jouer. Un petit corrigé. En une minute, la chaleur Q- qui va être prélevée du, euh, du calorimètre, c'est le débit que multiplie CE, la capacité calorifique, que multiplie θi moins θ, on l'a dit, 40 moins 15, que multiplie T, le temps qui s'écoule, en une minute. Le débit 0,6 kg. Euh, donc, euh, le débit que multiplie. Donc, euh, on, on reprend. En une minute, la chaleur Q- qui va être sortie du calorimètre par le serpentin grâce à l'eau qui circule dans le serpentin, c'est D fois CE fois θI moins θ que multiplie, euh, que multiplie le temps qui va être une minute. Bon, comme, euh, comme T vaut 1. On a un débit de 0,6 kg par minute, donc ça va faire 0,6, que multiplie 4180, la chaleur massique de l'eau, que multiplie 40 moins 15, c'est-à-dire 62 700 joules. Eh bien, ce Q, c'est exactement la même chose que Q-, puisqu'en fait, on est à l'équilibre thermique, la température à l'intérieur du calorimètre ne, ne, ne varie pas. En, en, basé là-dessus, on peut calculer la puissance, la puissance sur la résistance de chauffe qui va être Q plus sur 60. On trouve une résistance de chauffe de 1,045 kW. Et comme le, la puissance de chauffe ben c'est carré, on trouve que l'intensité qui circule au travers de la résistance de 100 ohms est égale à racine carrée de, de P qu'on divise R. Et donc ça donne de l'ordre de 3,23 ampères. Donc ça, c'est l'intensité qui va circuler à, au travers de la résistance et qui va permettre de maintenir l'équilibre thermique à l'intérieur du calorimètre, c'est-à-dire en fait que la température ne bouge pas.